c'est parti. Donc là, je suis en train de quitter le lac du Tec pour la grosse rando dont j'avais parlé avant. Il fait bien frais là, donc je me les caille. Je suis parti volontairement un peu déshabillé comme ça parce que c'est une rando qui prend 1200 mètres de dénivelé positif, donc c'est assez costaud. Et en fait, on monte très vite dans le cardio, donc je pense que d'ici 5 minutes, j'aurai déjà très chaud. On va se retrouver à 2-3 moments un peu clés en essayant de décortiquer le paysage. Parce que c'est surtout ça l'idée aujourd'hui. C'est au-delà de vous montrer des images un peu spectaculaires de l'endroit qui est incroyable, l'idée c'est aussi d'essayer de se servir de l'image pour décrypter le paysage un petit peu. Ou au moins avoir un regard un peu construit sur ce qu'on voit. Essayer de voir, pas juste de dire ouais, c'est beau, mais de se dire pourquoi je trouve ça beau, qu'est-ce qui est bien fait, les différents rythmes du parcours et tout ça. En première année d'archi, j'avais eu un petit livre, j'ai oublié le nom mais je le retrouverai, qui montrait je crois 101 conseils pour faire de l'architecture et tout ça. Tout n'est pas à prendre dedans, mais c'est assez ludique avec des petits dessins et tout ça. Il y en avait un qui expliquait justement ce principe d'alternance entre frustration et récompense. Donc c'est je vois quelque chose, puis je le vois plus, puis je le revois, puis je le vois plus. Et en fait, à chaque fois que je le vois, ben, je suis content. Et à chaque fois que je m'en coupe, j'ai un manque, donc j'ai le désir de le retrouver quelque part. Et du coup, ce que je vous expliquais sur la forêt là, et le paysage en général, c'est un peu ça qui est fait naturellement, et que du coup, en archi, on essaie des fois de reproduire, plutôt dans les traitements urbains ou paysagers, mais voilà. Et donc là, c'est fait naturellement en fait. Donc on voit le paysage, on a envie de s'en approcher et de le contempler. Donc on décide de prendre de la hauteur et la forêt nous en coupe. Donc frustration. Et ensuite, il nous manque pendant qu'on est dans la forêt, même s'il y a plein de choses cool dans la forêt. Et ensuite, quand on le retrouve, on est vachement plus excité que quand on l'a vu au début. Et je vais vous montrer l'application de ce principe directement sur cette randonnée. Quand je suis parti du lac de Tec ce matin, mon but était de rejoindre un autre lac d'altitude, 1200 mètres plus haut dans les montagnes. Depuis la vallée, on pouvait déjà voir les grandes montagnes. Donc dans notre exemple, les grands paysages forment le but à atteindre, celui qu'on aperçoit et qu'on souhaite rejoindre. Quand on commence l'ascension, on passe très vite dans une couche de forêt assez épaisse. Voilà notre premier moment de frustration. On sait qu'on va vers le grand paysage, mais on ne le voit plus, donc il nous manque, et on a envie de le retrouver. Par moments, la forêt s'ouvre sur quelques mètres et nous offre un nouvel aperçu du paysage lointain. Cet événement a pour effet de raviver l'excitation initiale, mais le plaisir est souvent de courte durée puisque la forêt se referme très vite et nous coupe à nouveau des grands paysages. Et en se reproduisant plusieurs fois, ce mécanisme attise de plus en plus notre envie de rejoindre notre objectif. Et quand on sort enfin de la forêt, on se prend les grands paysages qu'on a tant désirés en pleine face et l'effet est vraiment maximal. Et voilà la récompense. On a bien été bouché dans la forêt. Et là, boum, complètement débouché. On est content de retrouver ce gros paysage. On l'a bien mérité. Et c'est du coup bien spectaculaire, quoi. Moi j'aime bien. Alors il y en a qui disent que quand on amène un appareil photo dans une randonnée ou dans n'importe quelle exploration, on se gâche une partie du voyage parce que on se gâche une partie du plaisir de ce qu'on voit parce qu'on passe son temps à vouloir prendre des photos. Mais moi je voudrais contredire ça parce que je trouve que en fait quand
enfin en tout cas pour mon utilisation. Ok, ça fait prendre beaucoup plus de temps et c'est peut-être un peu extrême. En plus la vidéo c'est beaucoup plus long. Mais je trouve que quand je filme pas, je regarde mes pieds pour voir, pour pas me blesser, pour voir où je marche. Et du coup, je ne suis pas du tout attentif à ce qui m'entoure à plus de 3-4 mètres. Quoi. Je regarde un peu le sentier devant et mes pieds. Alors que dès que je m'arrête pour filmer, hop, je me pose à un endroit, je regarde autour de moi et je regarde s'il y a quelque chose d'intéressant à filmer. Et du coup, ces micro-pauses à chaque fois, ça me force à relever les yeux de mes pieds et à observer ce qui se trouve autour de moi. Donc moi j'aurais tendance à vous conseiller de prendre un appareil photo ou un téléphone, hein, peu importe, mais quelque chose qui vous permette de faire ce genre de petite pause, de vous dire bah je sais pas moi, si vous voulez faire de la photo, à la fin de ma rando j'ai envie d'avoir 30 photos et d'en garder 15 par exemple. Ben vous allez rythmer à peu près votre ascension en s'arrêtant de temps en temps pour voir s'il y a quelque chose à prendre en photo. Donc ça vous bouffera pas tout votre temps, mais je pense que ça vous forcera à lever les yeux de vos pieds et je trouve ça pas mal au final. Je reprends ma route et j'ai entendu des cloches. Donc, des animaux. Et donc j'ai mis un petit temps à les localiser. En fait, ils sont plus hauts. Là, je les vois bien. Et je pense qu'il y a le berger avec eux. Donc, je vais essayer de faire quelques images. C'est vraiment joli, du coup. Ça fait un nouvel événement, du coup, dans le paysage. Où, une fois qu'on s'est réjoui de tout ce qui est fixe, rencontrer des animaux, c'est quand même un moment fort, je trouve. Et là, il y en a plein en plus. Ça va pas les perturber? Non, pas de problème. Bon. Ça va. On va passer la saison. Oui. Aïe! Aïe! Oh bah c'était quelque chose, hein. C'est impressionnant. Donc du coup c'est la transhumance, c'est le moment où les bergers rapatrient leur bétail pour la basse saison. Et bah autant passer à côté d'un petit troupeau qui bouge pas comme j'ai fait les autres jours, c'est quand même, c'est déjà joli. Mais là cette espèce de mouvement avec le chien qui les rapatrie partout et tout ça, c'est vraiment impressionnant. Donc encore une petite joie de plus dans ces paysages qui sont de plus en plus dingues. Thank you.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite série de vidéos sur les Pyrénées. Bon, vous avez pu remarquer que c'était plutôt orienté autour des différentes réflexions qui me viennent en marchant tout seul dans ces grands paysages. Donc forcément, ça donne quelque chose d'assez décousu, mais c'était un peu l'idée. Donc j'espère que le format vous aura plu. On se retrouve très vite avec d'autres types de contenus. Ciao. Non, mais pour l'instant, je trouve pas d'autostoppeur. Ça vous rappelle pas un film, ça ?